Bonjour à tous, c'est Tix et on se retrouve ici pour la cinquième partie du Try Again consacrée à Dead Space 2 en mode hardcore, en mode fou furieux. Et pendant ce gameplay, je vais essayer d'arriver à la seconde sauvegarde, au chapitre 10. Et j'espère vraiment que ce soit possible, hein, parce que j'en ai un peu marre de recommencer. Parce que là, hein, donc quand je suis mort dans l'épisode 4, j'ai dû me retaper tout depuis chapitre 6, donc c'était assez long. Sans oublier les quelques fails, hein, qui me sont arrivés en chemin. Là on voit un magnifique effet de feu, un truc qui remonte, je sais pas quoi. Donc là on va devoir remettre en route le tram encore une fois pour pouvoir partir et aller sur Titan. Et non pas... Et quitter Visprawl. Alors là je reste sur mes gardes, hein, je ne sais plus quand et où les ennemis pop, hein. Voilà l'épisode 9, oh là là, le dernier épisode que j'ai envie de faire avec vous. Oh, il faut que j'arrive. Ah. Voilà. D'accord. Et d'un. Deux. Oh, ils sont tout pleins. J'essaie de te couper un. Ah oui. Ah, je me souvenais pas de tout cela là. Je savais qu'il y en avait à l'étage. Ok. On va faire attention. Là, non, c'est bon. Mission. Ok, nickel. Bon. Au niveau de la stase. J'en ai 6. Ça claque. Je reste sur mes gardes là, hein, je parle pas trop. Quoi? J'aurais pu arriver à choper ce qu'il y a en face là. Oh les bébés. Ok, ok, approche, approche. Approchez les babies. Voilà. On peut faire d'un bébé. Oh merde, deux coups j'allais dire. Attends, on va lui lancer une tête de bébé dans la gueule. Marche pas, c'est pas grave. Voilà. Ah, et ces ombres. Oh, ces saloperies d'ombre. Personne dans les parages. Je peux soigner, c'est bon. On va mettre le petit. Voilà. Oh. Ah, en plus, un endroit super bruyant avec ça là qui tombe, qui redescend, ces bruits de flammes. Ces changements de luminosité, ces ombres qui arrivent à tout moment là. Wow, ok. Vite, change d'arme. Là, 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 là. Oh, de la vie. Ouh, plein de choses. On se re-soigne. Bon, j'ai... Vite. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un truc qui a popé. Ah non, ça doit être ça, là. Oh là là. Oh, le grand kit de soin. Ça existe de te voir, toi. Et toi, qu'est-ce que tu me droppes? Combustible, je le prendrai pour le revendre. Oh, un stock. Yes. Oh, la délivrance quand je vois un stock. Par contre, fais attention que ça ne pop pas quand je m'y approche. Quand je m'en approche. Ah, et ça, si j'avais les yeux et ouverts, je les aurais utilisés. Mais là, c'est vrai qu'avec mon javelin gun, ça marche très bien aussi. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh, ça c'est génial. Alors, ça je le vends. Voilà, ça c'est vendu, ça c'est vendu, ça c'est vendu.
Ça c'est vendu. Ça c'est vendu. Je vais en acheter deux moyens encore. Un grand. Oh c'est 10 000 hein, le grand. Et je vais acheter plein de munitions. Et des munitions de ça aussi. 75, 76. Non c'est pas encore assez. Ah putain que je peux plus. Ah je vais vendre ça. J'en ai qu'une, ça sert à rien. Attendez, quoique, si... Si maintenant je la recharge... Voilà. Ça, je peux le recharger ou pas? Non. Si je le recharge, je vais pouvoir acheter un autre truc. Ouais. Attendez. 3, 3, 4, 5, 6, 6, 14. Non. Oh, je sais pas. I don't know. Allez. Nickel. Bon. On continue. J'en ai combien là? 28, 134. Nickel, super. Là je suis bien. On va faire attention. Oh putain, alors lui j'ai le stasi, attendez. Et je passe à côté. Allez, je me casse. Laisse-moi passer, gros con. Ah putain, il m'a bloqué ce con. Allez, 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 allez vite. Ouf. Parce que lui, c'est un cimetière à munitions. Il vole, il vole, il vole. Parce qu'il lui faut beaucoup de balles pour le tuer. Et après, beaucoup de balles pour tuer les petites choses qui le composent. Et c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de faire. Oh non, 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 pas ici. Oh, il faut que je fasse gaffe. Oh, il faut que je fasse super gaffe. Encore un. Oui. Oh yes. Yes yes. Ça fonctionne. Le javelin gun avec la capacité spéciale en fait. On lui envoie un javelot. On utilise la fonction secondaire qui l'électrocute. On la relâche et il explose. C'est du one shot contre toutes les sortes d'ennemis. Alors lui par contre, il fallait sûrement surtout pas tirer dans sa bulle parce qu'il aurait pété la vitre ici. Et là au niveau des réflexes hein, j'aurais eu aucune chance de tirer dans le truc, je me serais fait hacher menu. Donc attendez. J'ai surtout pas tapé dessus. J'ai vraiment pas envie de crever là. C'est quoi ça? C'est pas une porte qu'on peut ouvrir. Et là il y a quoi? Le point de forge je l'ai pris. Ok, on va passer en restant bien 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 loin de lui là. Ok. Voilà. Voilà. Allez, ton balance carrément ce que tu m'as fait chier. Ça c'est quoi ça? Je prends et ça là. Combustible, ça sert à rien. J'ai rien à voler là. Oh attendez, qu'est-ce que je vois? Non, j'ai cru qu'il y avait un autre qui avait popé mais non. Vous le voyez lui là-bas? On va le brain. Viens là toi, voilà. Allez vas-y. Et bim. One shot. One kill. Qu'est-ce que je peux drop là? Rien. Ça c'est pas grave, j'ai su les armes de stase là. Par contre pour celui-là... Et ça c'est quoi? Alors est-ce que je peux drop un truc quand même là? Non, non, c'est pas grave. J'ai largement suffisamment d'argent. Je vais pas me faire chier avec, avec 5000, je crois que c'est. Oh là là. Oh non. Ok, on tient la stase prête. On tient tout prêt. Là-dessus, il y a un exploder. Et je vais faire attention de pas l'exploser, justement. Faire très très attention. Putain, je peux pas l'avoir en plus. Vite, vite. Putain. Oh oui. Toi. Dégage. Saleté. Oh putain. Oh mon dieu. Vite, je tase. Je me casse. Ah quoi que non, c'est bon, je les ai eu.
Personne d'autre là? T'es mort toi? Non? Maintenant? Oui? Ils me font peur ceux-là. Okay. Celui-là, depuis qu'il m'a tué avant. Voilà, il me fait trop peur. Sur ces gardes là. Qui pop? Qui va popper? Personne? Eh oh! Allez-y, popper! Je vous attends! Bon, popper pas maintenant, s'il vous plaît. Pas quand? Pas tant que je suis dans l'inventaire, merci. Voilà! Ok, il y a personne, on va aller au plan. On va s'augmenter un peu ses points de vie là, je crois que c'est bienvenu. Pour deux, oh nickel, ça suffit. Hop, oui, et oui, yes. Regardez, mes points de vie dans le dos, ils vont s'allonger là. Regardez, regardez. Hop, voilà. Ça, c'est bien, j'aurais pas été obligé d'utiliser le kit de soins parce que mes points de vie remontent automatiquement. Une fois que j'améliore ma vie de toute façon. Donc toi tu vas où? Tu vas au milieu? Non, tu vas en haut. Personne pop. Oh non! Oh vite! Non non! X, 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 X! Putain! Allez! Je crois pas! Cette merde a fait me tuer! Oh mon dieu! Oh non! Comment j'aurais fail? Oh, elle m'a enlevé la moitié de ma vie! Viens là, toi! Voilà! Maintenant, toi, cet stasage. Je te pose à côté par contre. J'ai pas eu que ça pop pendant que je suis en manque de stase. Voilà. Ok. Maintenant, je te mets dedans. T'es où? T'es là. Voilà. Transport prêt. Oh, on est pas loin là. On active. Et on attend le popage d'ennemis. Ah, il y en a un là. Regardez. Viens. Voilà, stase, bim. Voilà. Hop, 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 hop. Boum. Oh, que c'est beau. Oh, cette arme, elle déchire. Oh, comme ça pète. Oh, comme ça pète. Voilà, merci. On va switcher nouveau sur cette arme-là. Allez. Oui, je suis prêt. C'est parti. Bon. Sors de ma tête. Tu n'es pas Nicole. Qui suis-je, Isaac? Tu n'es qu'un fruit de mon imagination, de mon esprit malade, des visions d'horreur provenant du monolithe qui doucement prend possession de mon esprit. Ah, you're my heart. You're my soul. Il regarde en moi, Isaac. Strauss, par les trous dans moi. Écoutez-moi, ok? Arrête du ça. Calme. Me regardez. Du calme. Il devient fou, le petit loup là. Bon, allez. Là, on rigole plus. On reste sur ses gardes. Dernière grosse fight épique avant d'arriver. Oh la vache. À la sauvegarde. C'est pas possible. C'est les Chinois. Ouais. Alors voilà ce dont je vous parlais pendant l'épisode 4, hein, quand on réalignait les antennes, enfin les antennes, les conducteurs d'énergie solaire. Quoi? On voyait de tout en haut l'Ishimura déjà, sans savoir qu'il était là. Et là, on se rend vraiment compte qu'il l'a, tu vois. Et ils expliquent un petit peu le background, ce qui s'est passé autour. Et tout. Je vous laisse lire tranquillement et je me la ferme. J'ai tout vu. J'étais à bord quand tout s'est passé. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. What the fuck is happening? Restez là. Je vais voir. Stay there. I'm gonna check. Hop. Stas, 10 000. 10 000? Oh my
D'accord, il y avait 10 000 dans une caisse pourrie comme ça. C'est quoi ça? Mini kit hein. Attendez, je vais le prendre, voir si je peux utiliser ou pas. Ça je le pose, bim. Ça je prends ça. J'ai repris la même chose, génial. Mongolitos, comme tu nous tiens. Voilà. Alors il est où? Ah ok, il est tombé. Fuck, il est tombé sous la grille là, allez. Ah voilà. Attendez. On va passer 10 minutes sur ça, ça va être super intéressant. Ça se trouve, je peux même pas utiliser. Ah quand même. Voilà. Alors toi, tu me donnes très envie là, mais non. Vous entendez? On entend les raptors. On les entend, ils sont pas loin là. On va y aller intelligemment. Alors quand est-ce qu'il pop là? Parce que j'ai envie d'utiliser ça à mon avantage là, regardez. Tout ça là. Bon c'est pas grave, j'ai le pété celui-là. Voilà. Je sais pas si je l'ai eu. Attendez, j'ai resté sur mes gardes là. Qu'est-ce qu'ils sont? Ok. Oh oui, alors voilà, il y en a un qui est mort là. C'est ça que je voulais faire. Vas-y, rush-moi la gueule. Rush-moi la gueule, toi. Tiens! Coupage, coupage! Et voilà! Ah, t'es pas mort, toi! Attendez, y'en a un qui a voulu me prendre sur le côté là où je rêve. Ah non, c'était le même. Toi, viens là. Tu vas être très utile. Oh! Ok. Approchez mes petits loups. Fais attention. Il y en a un qui a popé derrière là, un explodeur, je crois. Alors, où est-ce qu'ils sont là? Vite la stase. Voilà. Toi t'es là. Ok, je t'ai vu. Vas-y, vas-y. Vas-y, viens, viens, viens. Hop. Ok. Oui, c'est réglé. Très très attention là où on met les pieds. Wow. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? J'espère vous flipper autant que moi là, sinon c'est pas drôle. Ouais 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 ouais. Je t'entends mais t'es où? Ok, j'ai la life. Non. Allez, allez. Oh, il y en a là-bas. Oh, super. Je crois que ça spawn par là aussi. Faire gaffe. Par là. Ouais, c'est par là. Putain, je peux pas la voir. Allez, sors. Putain. Ok, je vais me cacher. Allez, 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 allez.
Allez, Tix, et viole-le. Ok. Où est-ce qu'il reste? Vous avez vu un peu le bug là-bas? L'autre, en fait, quand il est dans son animation de sortie de conduit, il peut pas mourir, il est invincible. Et ça, ça arrive souvent et c'est super relou. On peut pas brainer comme on le veut, on doit brainer moins rapidement qu'on le voudrait. Vas-y, 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 sors. Sors, viens, 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 viens. Allez, viens, viens, j'ai un cadeau pour toi, viens. Tiens, voilà, voilà. Hop là. Merci. Sinon ça se passe bien, ça va. La vie est belle. Bam. Ok. Ah, génial. Bim, ça en utilise, ça en prend. Ah, super, on s'en est sorti, les mecs. Et les meufs, hein, peut-être. C'est elle qui aime flipper. Flipper avec moi, flipper avec Tix. Hop. Voilà. On se casse maintenant. Il est encore en train de mourir, lui. Ça va, tu te sens bien? Tu veux de l'aide? Oui. On n'est pas assez ça, on n'a pas assez ça, on y est presque, on est à presque réussi. Oh, je suis fier de moi. Là, il y a la dernière phase un peu méga hard qui va commencer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? D'où il sort, lui? Regardez, comment j'ai le brain, regardez ça. Je prends ça. Je m'en suis rendu compte avant, je le prends. Et je lui balance dans la gueule. Boum. Oh, je kiffe. Et ça marche à chaque fois. Voilà. Et j'ai fait n'impe là. Attendez, on va essayer de faire le PGM. Ah, j'ai pas réussi à le choper. Mais il est pas mort, lui, là-haut. Merci. Faut vraiment avoir les yeux ouverts et surtout les oreilles attentives, hein. Attendez, regardez. Ça, regardez. Là, il y a un ennemi qui est caché. Et là, j'ai le brain. Boum. Vas-y, sors maintenant, sors. Oh, il a popé. C'est moche, que c'est moche. Ça l'a pas tué parce qu'il avait pas encore popé. Alors, elle a... Oh, c'est moche, ça. Oh, que c'est moche. Oh, Visceral Game, c'est moche, ça. Ah, ce petit joueur, mon dieu, que ce petit joueur, ça. Bon, au stock. On va revendre ce qu'on a à revendre. On va acheter ce que l'on a à acheter. Un commentaire très pertinent, vous en conviendrez. Ça, on va le garder pour l'instant, c'est cool. 25, 2. Je vais en racheter un peu. Mais là, pour ne pas vous mentir, ce dont j'aurais besoin, c'est de la stage. J'en ai 6, c'est largement suffisant. Au niveau de la life, je suis large parce que là, on va avoir une faille de boss. Un boss sur lequel on peut éventuellement ne pas tirer une seule balle, en fait. Voilà. Je vais vous montrer ça après. J'espère que vous kifferez. J'espère que vous aimerez la technique. Ellie, il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Ah ouais. Tout autour d'une grande caisse. Une caisse ? Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Du trichlorure d'azote. NCL3, très très intéressant. Trichloramine. Bien, bien, bien. Très bien le... Ouais, c'est bon, ceux qui veulent un petit cours de chimie, hein, tout simplement. Hein. L'un des sous-produits, hein, qu'on a dans la réaction entre l'ammoniac et le chlore. Hein. C'est très très réactif pur. Hein. Et ça a les mêmes effets que le gaz lacrymogène, mais on s'en sert pas pour ça. Hein. Ça sort pas. Ah oui, d'ailleurs, la petite anecdote, hein. Ça a été découvert par un chimiste français qui s'appelle Pierre-Louis Dulon. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Hop. Et c'est sensible, hein, à la lumière et à la chaleur. Et comme elle vient de vous le dire, ça explose. Alors là, balancer des bonbonnes
de ça là, dessus, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux ni de plus intelligent, vous voyez. Mais bon, cette espèce qui le dit, c'est Isaac qui le fait. C'est moi qui le contrôle. Donc il en faut 4. Il en faut 4. Il y a deux caisses. Je vais les péter. Voilà. On souffle, hein. Ça est du sport. Hein. Vous voyez l'arène, style beat'em all là. Genre God of War et tout. On est parti. Oh putain, il vient d'arriver, voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est le stasé et wait. Viens, viens. Bim, la stase. Allez, on prend. Et bim. Et on stase. On prend. Boum. C'est pas encore fini. Fuck. Vite, stase. Putain, tout ça m'a fait perdre. Et le dernier. Maintenant, on se casse. On se casse, 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 on se casse. Oui. C'est trempe-moi un truc, s'il te plaît. Trempe-moi un truc. Foiré. Il m'a rien droppé. L'enculé. On se casse. Oh oui. Parfait. Ah, yes, 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 yes. Que ça sent bon, ça. Oh mon dieu. Il n'y a pas de QT, attends, je me tiens prêt quand même, je crois pas qu'il y en ait. Allez, 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 transport de merde, on crame là, on crame. Yes. Ouh. Yes. Dans une autre situation, j'admirerais votre obstination, monsieur Clark. Mais tout ça est plus important que vous. Vous l'avez dit, n'importe quelle personne sur cette station. Chef, tout est prêt pour la régression définitive. Alors c'est bien. Désormais, tout n'est que poids mort. Isaac, c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par poids mort? Il se sert du rayon solaire. Il faut arrêter ce truc. Vite. Oh merde. Et il coupe la voix. Bim. Eh ouais. Il a coupé la station en deux. On peut plus. Ou Ned. En arrière. On retourne à cette station. Mais pourquoi? On y va, Ellie, c'est tout. Oh. Les Shimura, si les systèmes de gravité fonctionnent toujours. T'as l'intention de tracter ça jusqu'ici? Ouais. Isaac, arrête, c'est ridicule. Si je réussis à aligner les voies pendant quelques secondes, tu devrais pouvoir traverser. Tiens-toi prête et prends soin de Strauss. Il est malade. Hein. Isaac, non, c'est complètement insensé. Et comment? Plein d'idées insensées. Bon alors, on arrive au moment où il ne faut pas mourir car on est à environ 5 minutes d'un point de sauvegarde. Et on attend d'ouvrir, oui. Allez, allez, on y est presque. On peut le faire, on peut le faire. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis là derrière. Oh yes. Oh putain de oui. Allez, on est parti. Allez. Allez, on est good. Ah. Super. Bon. Y'a rien à récupérer là, non, je crois pas. Ok, on peut courir un peu, non? Donc là c'est l'une des passerelles d'accès à l'Ishimura. Donc l'Ishimura, pour ceux qui n'auraient pas fait Dead Space 1. Ouf, qui n'auraient pas vu mon Ghost Spoil de Dead Space 1. C'est dans ce vaisseau que se déroule toute l'aventure de Dead Space 1. Voilà, épisode 10. Et voilà. On y est. Regardez. Il doit encore y avoir un ordi, alors oh, c'est super. Je pourrais consulter voilà. Les on arrivait par là. C'est ici qu'il y avait l'USM Kellion là qui s'était fait déchirer. Enfin, c'est pas USM, mais c'était le Kellion. Ici, il y avait la navette avec laquelle on est parti. Là, il y avait le Treasure Pen qui traînait le long. Et c'est par ici qu'on arrivait dans le premier Dead Space. Bien, bien de faire. Bouger des choses quand je passe à côté. Bon, ça a changé. Hein. Ils l'ont complètement désossé là.
Mais bien évidemment, l'architecture reste la même. Et voilà. Regardez cette salle. Vous vous en souvenez ? C'est la salle où tout est parti en couille au début de Dead Space. Voilà. C'est fou, hein ? Donc j'ai sauvegardé ici. Voilà, j'ai sauvegardé là. Et ce sera... Il vous reste de sauvegarde. Voulez-vous vraiment sauvegarder ? Oui. Ah, génial. Ah, ça me fait plaisir. On va sauvegarder sur celle-ci, par contre. Voilà, oui. Hop. Voilà, on est le 19, hein. 21h11. Oui. Ah, super. Bon, mais bien, voilà. Hein, j'ai réussi à sauvegarder. Donc, je vais mettre pause, comme l'autre fois. Je vais prendre... Voilà, là c'est stylé, je mets pause. Et je vous dis pour vous à dans 5 secondes hein, et pour moi dans quelques jours. Bye bye tout le monde et à tout de suite, gros bisous. Alors on est retour hein, quelques jours après pour moi et pour vous 5-6 secondes à peu près. Ouais c'est ça. Donc ça va, j'ai eu le temps de bien dormir, de bien préparer ma run et d'essayer de pas crever parce que là on s'engage dans les niveaux très... très très compliqué de ce Dead Space 2. Là je vais arrêter de rigoler et je vais vraiment me concentrer et tenter de pas me crever trop de fois parce que là ça a vraiment gavé hein. Surtout que ça devient long, ça devient chiant, ça devient dur, surtout avec ce niveau là de l'Ishimura dans lequel on commence, qui est l'un des plus terrifiants hein. Parce que pour ceux qui auraient fait Dead Space 1, il y a toutes les réminiscences et tous les souvenirs du premier qui refont surface. Donc ça, comme hein, je vous l'ai dit juste avant, c'est ici qu'on arrive dans le premier. Hein. Donc voilà, on arrive par là, tac tac, on se balade, on se balade. On met en route le rapport de dommages, ce qu'on va faire ici, et c'est là que tout... C'est là que tout part en couille, et on s'enfuit par cette porte ici. Et voilà. Encore la centrifugeuse qui est hors ligne. Hein. On se rappelle que dans le premier elle déconnait, on a dû la remettre en route, là on va devoir la réparer. Est-ce que ça ira ? Ça m'étonnerait fort. Je te tiens au jus. Voilà, on peut voir un peu l'évolution des décors entre Dead Space et Dead Space 2. Ils ont recyclé leur niveau mais ils l'ont complètement modifié pour que nous-mêmes, qui sommes de fervents joueurs du premier, soyons perdus. Hein. Donc c'est ici qu'on courait comme un dératé et que... Tous les ennemis sortaient ici des grilles d'aération. Toutes les grilles d'aération, toutes les ondes un peu cassées ont été bâchées, ont été totalement protégées là. Pour l'oublier. Et c'est ici que Nicole. Choisi de venir nous hanter une nouvelle fois. Je pense que c'est vraiment le décor adéquat pour ça. Inspection checklist. Yes, si. Ouais, si tu veux. Y'a personne qui veut entrer. Non. Petite dédicace à Dead Space 1 où un ennemi tentait de rentrer avant de se faire couper. Et cette salle là est culte chez Dead Space. C'est ici que l'on trouve le cutter plasma. Et regardez. Toi, je vais te tourner. Ouais. Je parle. Non, mais casse-toi, toi. Bah, toi. Voilà. Regardez bien. Cut off their limbs. Ils ont pas réussi ici à enlever le sang et il y a encore la vieille trace. On peut encore lire. Et encore, regardez les trucs de nichon. 2414. Ah ouais, on est quand même bien, bien dans le futur là. Hop. Alors, on va se soigner. Ouh, j'ai pas grand chose quand même là. Ah ouais. Ah ouais, il va falloir que j'échange des petits contre des gros là. Attendez, j'ai combien de points de force? Un seul. Je vais voir sur quoi je vais pouvoir l'utiliser. Alors, le lance-javelot. Pour la capacité, non, ça vaut pas le coup. Le rig. Non. Cutter plasma. Ouais. Voilà. On améliore un peu la capacité, on a gagné quelques munitions. Alors c'est là derrière que dans le premier il y avait un mec qui se faisait déchirer là. Il se faisait déchirer et c'est l'un des premiers nécromorphes qu'on a tué. On lui a fait tchou ! Balai dans le cul. Bon sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de balai, hein. C'était un
cutter de plasma dans les dents. Bon, l'ambiance est toujours aussi flippante. Et là, quand on s'approchait, on voyait un ennemi qui courait au fond là-bas. L'architecture est exactement la même. Ah, mais je sais qu'il y a personne. Hein. J'ai fait semblant d'avoir peur. Voilà. Ça, c'est la zone du tram. C'est ici qu'on a remis le disque dur. Qu'on a remis le tram en route. Que Kendra et Amon nous attendaient en face là-bas. Vous voyez ? Il y a un point de sauvegarde, hein, mais ça ne nous sert à rien. Non, par contre, là, ils ont changé. Ah, quoique, non, ça y était déjà, ça. Je dis des conneries. Voilà. Bon, par contre, il n'y a plus rien qui fonctionne. On sait pas où est-ce qu'on va, là. Ah, oui. Ça, c'est un couloir mythique aussi. Vous vous rappelez, c'est ici qu'il y avait un... Bien vu. C'est ici qu'il y avait un ennemi là, couché, qui faisait semblant d'être mort. Et quand, comme, quand on connaissait pas le jeu, on passait et se relevait. Et ça nous a flippé comme des merdes. Et là, il y a une petite, un petit message que je vais vous laisser écouter. Voilà, le mec il devient totalement fou là. Il se rend compte qu'en fait les Shimura n'est pas tellement aseptisé que ça et que les ennemis sont encore cachés quelque part dans les murs qui grattent. Donc ici on est sur un peu la voie de tram et c'est dans cet endroit là que l'on découvre la stase quelque part ici. Mais là ils ont créé un genre de tunnel de décontamination ou autre. Regardez, c'est par ici qu'on rentrait. C'est la porte qui déconnait qu'on devait staser pour passer. Sauf que là, on change totalement de chemin. Donc pour... Ah, trop bien. Donc pour l'instant, on peut se dire que tout va bien. Rien n'est cassé. Ou pas. J'ai encore utilisé un, tiens. Tant qu'on en trouve, hein, on les remplace. Donc ça, c'est totalement la ligne de tram. Donc au lieu d'être en tram, cette fois-ci, on est à pied. Et regardez un peu là, la luminosité, ça j'adore, c'est super joli là. Hop hop. Et on va rester sur nos gardes. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos de Beast Mode, c'est là qu'il s'est mis à gueuler. Ok. Lui. C'est réglé. Toi. Toi, c'est fait. Ah, mais cette arme, elle est juste overpuissante, quoi. Alors. Reste sur nos gardes, hein. Ça, c'est un endroit qui me fait quand même flipper. Même après. 4 fois. J'ai toujours aussi peur. Peut-être que je suis une flippette, hein. Fuck! Bon, ils seront pour après. Et voilà le deuxième. Oh putain! Vas-y, approche, viens là, viens là! Au secours! Vite, stase! Putain, je peux réussir à staser! Pourquoi j'arrive pas?
gaz. Bah voilà. J'ai remarqué, merci. Et viens là. Merde, j'ai utilisé mon kit de soin max. Ah putain. C'est pas grave. Reste sur nos gardes là. Oh là là. Pourquoi ils pètent pas parfois ces javelots là? Je n'ai plus que 6. Holy shit. C'est pas grave. J'ai ça. Il y en a deux là. Hop hop. J'en rachèterai, c'est pas grave. Je pense que je peux courir là un peu. Viens là toi. Ah bah il y a lui. Vas-y, rapproche-toi toi. Personne derrière, non? C'est bon. Je peux te péter la gueule. Ouais. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Il y a la lampe qui tombe d'en haut, on sait pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi. Il y a un ennemi qui est caché et qui ose pas attaquer. Quand il a vu à quel point Isaac était le king of the world. Oh putain, la stase là-bas, vite. Ah non, j'ai raconté un peu n'importe, je crois. Ça devait être par là qu'on rentrait plutôt. Bon, c'est pas grave. Allez. Piratage, piratage. On est parti. Voilà. Hop. Voilà. Il me faut à tout prix un stock. Ok. Non, Ellie, c'est pas sûr. Je me dirige vers la centrifugeuse. Surtout fais attention. Je te dis quand ça marche. Ouais, ouais, je te dis quand ça marche, poupée. Ah, c'est déjà. Oh, j'ai déjà reload, c'est bien. Il y a quoi là-dedans? De la thune! Au titre niveau thune, j'en suis à combien là? 54 000. Oh merde, c'est énorme. Je vais pouvoir acheter plein de choses avec ça. Ok. Donc là, on arrive au pont d'ingénierie. Attention, l'ingénierie n'a pas terminé la décontamination. Pour ceux qui se rappellent hein, de Dead Space 1, ici au milieu, il y avait un ingénieur, le chef, je crois, qui était sur une table. D'ailleurs, on voit encore le sang là. Enfin, sur une table, sur une chaise, il était là, il était mort, il attendait de se faire contaminer, de se faire transformer en monstre, en monsters. Voilà. Bon, alors, le stock. Fait toujours plaisir de te voir, toi. PK, combustible, ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre, ça? 25 000, génial, yes. Alors ça, j'en ai suffisamment assez, j'ai acheté plein. J'ai acheté une stase déjà. Est-ce que je peux? Oui. Je vais acheter deux petits. Oh merde. Attendez, celui-là là, je vais le passer. Je vais le déplacer. Je vais acheter combien de power notes? J'en ai acheté 3. Voilà. Je vais acheter ça. Jusqu'à 15 000. Ah oh, bah non, je peux pas en prendre plus. J'en ai 19, c'est pas assez. Attendez, ça, je vais le prendre et le mettre de côté. Voilà. Je pourrais en acheter un peu plus. Ok, bon, on va dire que ça suffit. Rah. De toute manière, au cas où j'ai mon cutter plasma de secours, hein, qui est tout aussi puissant quasiment que le lance javelot. Sauf qu'il faut un peu mieux viser avec. C'est quoi ça? Il y a une transmission que je vous ferai écouter pendant le périple en ascenseur, voilà. Concernant la matière retrouvée dans les Shimura. D'abord, c'est de l'ADN humain.
Ensuite, plus intrigant encore, la proximité du monolithe la réanime. La seule conclusion possible est que tout l'équipage de l'Ishimura a été infecté puis reconstruit avant d'être réduit à l'état visqueux quand le monolithe DG7 a été détruit. Vous avez déjà lu ça dans le Gospel de Dead Space. Si on arrive à la salle de décontamination, que toute personne ayant joué à Dead Space se rappelle et redoute. Mais avant toute chose, hein, on va aller se faire un petit mode power up. On va améliorer quelques armes. Alors, un module de stase, qu'est-ce que je peux améliorer? La durée. Voilà. Hop là. Là, le module de stase, il est bien. Nickel. Super. Bon. Continue. Parce qu'on se fait attaquer dans cet espace de décontamination. Là, dans cette salle de décontamination, on se fait attaquer. Tout le monde s'en rappelle. Tout le monde s'en souvient. Alors, est-ce qu'ils vont oser nous la refaire? Tout le mystère est là. T'as entendu? Il y a des grilles qui pètent, ça. Mais ils ont pas osé le refaire, hein. Enfin, du moins le refaire comme ça à l'entrée de la zone. Parce que vous allez voir qu'en ressortant, par contre, on va se faire déchirer. Donc là, on est censé être en stress. Genre, putain, moi, je vais me faire attaquer, ils vont me la refaire, non? Et non, j'en sors. Parce qu'ils jouent sur. Comment dire, c'est notre peur. Ils jouent sur la peur qui réside dans nos souvenirs en fait. Et ça, c'est très intelligent de leur part. Par contre, là, dans le Ghost Spot, je vous ai dit que. Dans le Ghost Spot, je vous ai dit que ça, c'était une salle dans laquelle j'allais crier. Oh putain! Oh non! Ah, d'accord, ça me fait mal. Ah, pas tellement, mais quand même, faut que je fasse gaffe. Je vous ai dit que ça allait être un long couloir qui allait me faire crier. Et c'était parce que je savais que je vous ferais un Ghost Spoil dessus. Un Ghost Spoil, un Try Again de ça. Ok. Faut faire attention, faut y aller doucement là. On souffle. Pas que la porte se ferme. Au cas où je dois m'enfuir, hein. Alors où est-ce qu'ils sont les autres là? Personne derrière. Putain! J'entends du bruit. C'est toi. Merde, j'ai raté. Voilà. Personne d'autre? Oh putain, toi, je te veux là-bas. Non, pas toi. Pas toi. Toi. Yes. Yes. Ok, on avance doucement. Je sais pas ce que j'ai pris là. Il y en a encore un là. Personne derrière, c'est bon. Ça, c'est un couloir dans lequel je suis souvent mort. Même en jouant normal, hein, parce que les ennemis pop dans tous les sens. Et n'hésite pas. Allez, vite. Oh, putain. N'hésite pas, répare derrière, vite. Stase. Vous voyez? Alors imaginez si j'en avais tué aucun. Si j'avais rush, le nombre d'ennemis que j'aurais eu à mes basques. Allez vite! Allez, on passe! Allez, ouvre-toi, saloperie! Allez, cours, saute! Oh oui! Yes! Ouh, bon, on est passé.
On va pouvoir souffler un peu. Ah oui, il y a de la stase là-bas, on va aller la prendre. Ah yes. Allez. Super. Ah putain. Bon, le petit puzzle, hein, la petite énigme. Donc ça, c'est... c'est la truc juste qu'on a dû remettre en place. Vous en rappelez, là, il y avait des genres de plugs. Qu'on devait... De plugs, c'est un peu dégueulasse pour les gens qui sont aux anglais. Je veux dire... Ouais, de branchement, on va dire, à rentrer là-dedans, à faire tourner pour mettre un peu d'électricité dans la centrifugeuse. Mais là, on doit juste remettre en route, je pense, le système d'irrigation. Je sais pas si c'est des conduits de gaz ou bien des conduites de... Ah ! D'essence, mais un truc du genre. Bon, alors toi, tu vas là. Voilà. Toi, là. Je me rappelle que Bismode avait pété un câble dans cette salle parce qu'il trouvait pas le dernier le dernier composant à mettre. Il cherchait partout, il le voyait pas, le pauvre. Alors attendez, je vais pas faire pareil, hein. Faut que je le trouve. Alors, où est-ce qu'il se cache? Non. Bah non, me dites pas que je vais faire pareil. Attendez, je crois qu'il est quelque part en dessous. Oh tiens. Énergie méga PK, ça sert à rien, je vais pas en prendre. Attendez. Est-ce qu'il est là? Mais lol. Mais non. En plus les trucs ils... C'est chaud parce que les trucs ils sont rouges. Ils sont là en rouge et puis... Ah bah là-bas, ah bah c'est pour ça. La lumière rouge était cachée, voilà, ok, c'est bon. On va remettre ça en route, allez. Là. Ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. Rentre, rentre. Ok. Voilà une bonne chose de faite, je prends ça. Là au-dessus, il y avait une caisse à péter, je vais la péter. Bim, voilà. Et maintenant, on atterrit. Hop. Alors pour ceux qui se rappellent de Dead Space 1, là il y avait un genre de creep alien qui nous empêchait de passer, là où ils ont tout nettoyé. Et on devait passer par là, il y avait la passerelle qui nous a descendu, le petit ascenseur. Ensuite là ça s'ouvrait et on devait se balader le long, éviter les rotors et tout. Ce rotor qu'on devait éviter, c'était assez hard. Voilà. Donc ça c'est fait, l'énergie est remise. Toutes les portes se sont ouvertes, tous les nécromorphes peuvent maintenant librement se balader dans l'Ishimura. C'est très bien. Je kiffe. Je vais reprendre ça. Le lance-javelot, hop. Voilà, ça en ouvre. Et on reste sur ses gardes. Ah putain. Dead Space 1, Dead Space 1. Ah, vous vous en souvenez de ça? Et ouais, Isaac, tu craques. C'est la tentacule géante qui nous a attrapé par 4 fois, je crois. Mais toi. Là, je vais faire quelque chose d'un peu dangereux. C'est-à-dire que... Oh, d'aller par là, je vais continuer par là, parce que là-bas au fond, il y a un point de force, mais il y a aussi des ennemis qui vont pop. Alors, je vais rester sur mes gardes, je vais y aller. Fais attention. Voilà, stase, bim. Par derrière, c'est bon, oui. En face, il y a toi, je te stase. Voilà. Alors. Et toi? Qui d'autre? Voilà, et toi? Alors c'est réglé, c'est bon? Vous avez vu ça un peu? Comme c'est fourbe. Ça pop devant, ça pop derrière, ça pop sur les côtés. Ok, c'est bon.
Non! Vite, Stas! Oh putain! Saleté! T'es heureusement que t'es con comme un balai et que tu gueules, toi! Ton niveau de la vie, j'en suis où là? Oh, c'est très bon! C'est très bon à ce niveau-là, 19 ça suffira. Ok, continue. Oh, 2400, pas mal. Parce que là, hein, la décontamination. Non! Mais. Putain, j'ai pas assez de stase! Derrière, derrière! Putain, derrière aussi! Et devant! Mais c'est pas vrai! Isaac, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu revenais vers le tramway. Reviens sur tes pas jusqu'au tunnel du tram. Ouais, ouais, j'arrive, c'est bon. Je me tire d'ici. Je suis juste en train de fight. Ça servait à rien ce qui a popé là. Attendez, je crois. Ouais. J'en suis au niveau de la stase là. 2, 3. Bon, au niveau de la stase, ça suffira. Hein. Maintenant, on va se soigner déjà. Voilà. Et on reste sur ses gardes. Putain. Faut que je passe ça. Ça va arriver là. Ça va arriver là. Ça va arriver là. Et ça va arriver sur moi aussi. C'est quoi ça? Oh, de la stase. Yes. Bon. Pas que je crève. Là, c'est ouvert déjà. Allez. Putain. Regardez, il y a des babies là. Il y en a là-bas aussi. Putain, faut pas que je crève, bordel. Où est-ce que ça pop? Putain. Allez. Putain! Voulez-vous de la vie? Putain, vite, X! Non! Putain, déchire-le! Ma vie, elle est comment là? Putain, elle est jaune. Je remets. Maintenant. Maintenant, c'est les gros. Allez! Oh putain! Vite! Vite! Putain! Allez! Alors? Oh putain! Oh, c'est hard ça, c'était super hard! Oh putain! Vous avez vu ça un peu? Comme c'est dégueulasse! Bon. Ok, on continue. Putain, saleté! Oh, je suis tout tremblotant là! J'ai tellement failli crever. Regardez. Ah, j'ai encore un peu de kit de soins, un peu de stase. Au niveau des munitions, j'ai tout mis à côté avec le stress. C'est ça qui est chiant, c'est quand on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on est d'autant plus stressé et on fait d'autant plus de bêtises. Module de stase. Ah, l'énergie, je peux pas l'améliorer. Au niveau de la rig, ça sert à rien. La vitesse, peut-être, ouais. Ouais, j'ai amélioré la vitesse du lance-javelot. Non, pas ça, ça. Alors attendez. Bon. Bon, vous aurez vu la technique, hein, c'est... de pas mourir, en fait. C'est la seule technique que je puisse vous donner. C'est ça. Attendez, là, par contre. Regardez-le, lui. Hey, biatch! Boum! Foiré, là! Man mode. C'est
C'est parti là, on est un bonhomme là, on joue les bonhommes là. Fucking shit, piece of shit. Je vais tout péter, yeah. Tout. La. Nanana. Je suis motivé là. Ah. Bon. Who's next? Personne qui pop? Personne qui pop là? J'ai eu peur dans mon ghost boy ici, y a un truc à époper. Ok, nickel. Bon, on va aller acheter des choses que je crois que j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre déjà? Rien. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un kit de soins moyen, voilà. Ainsi que des javelots. Je pense que j'en ai acheté suffisamment. 10, ça fait 20. Je vais en prendre encore 10. Je vais acheter un deuxième kit de soins. Deux kits de soins moyens. 1, 2, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est. On va dire que c'est correct. On va dire qu'on est bien. On va check. Oh ouais, ça devrait aller. Même au niveau de la stase, hein. Je suis pas mal. Là, j'en ai 35. On va reload. Ok. Oh, puis on a un deuxième, vite. Allez, pète. Voilà. Ça va, il n'y en a pas 3, non? Saleté, là. Ok, on se casse. Voilà. Nickel. Bon. Merde, Isaac. Ça fait mal, ce con m'a mordu. Ouais. Mais j'ai pas envie d'écouter tes conneries, moi je flippe. Mais bien. Mais il parle plus et il veut pas me regarder. Et de ton côté, j'espère que ce plan va fonctionner. Je suis bientôt. Je vais à la passerelle pour activer les rayons tracteurs. Ok. Ils arrivent par l'unité médicale. Tu ferais mieux de la contourner. Obstacle repéré sur la voie. Mise hors tension. Bienvenue à l'unité médicale. L'humour de Visceral Games, merci. Isaac, ce serait bien que tu évites à tout prix l'unité médicale, il y a plein de monstres. Obstacle sur la voie. Arrêt à l'unité médicale. Ouais. Trop bien. Il y aura des centaines de milliers de monstres. Wouhou. Pamparap. On va les tentaculer. Viens là toi. Ensuite, on va brain. Regardez. On évite ça. On les stase. On pète. Et une fois qu'ils sont tous stasés, on met une bombe au milieu. Et on fait tout péter d'un coup. Je sais pas comment ils étaient là. Je sais pas si j'ai tout eu. Non, j'ai pas tout eu. Oh, enculé. D'accord, tu lances des trucs toi. Sachant qu'il y en a certains des nécromorphes classiques comme ça qui lancent des trucs. Mais je suis pas sûr qu'on puisse voir lesquels ils sont. Au niveau de leur design, hein. Je crois pas que ça change grand chose. Regardez, non, on voit pas trop. Ils ont peut-être un genre. Ah, ils ont un bec. Ils ont un bec lanceur, mais on le voit pas de loin. Et regardez, on peut voir là tout le sang éclairé par ces lumières noires, je crois que ça s'appelle. Et ça donne à cette unité médicale une saveur vraiment particulière et un design superbe. Merci pour la stase, ça va m'être très très utile. Le point de force qui a rip-hop depuis Dead Space 1. Et là, il faut la faire gaffe. C'est ici qu'on avait congelé le nécromorphe invincible. Mais le problème c'est que... ça va pop dans tous les sens. Et quand vous allez voir ce qui pop, hein. Allez. Oh putain. Quel con. J'ai eu tout le monde là? On dirait. Attends, j'ai mon. Putain.
Putain, mais t'as vu, vous avez vu ça un peu comment ils font mal de loin ces salopards là? Ça pop pas, c'est bon, je peux pirater en paix. On dirait cuit. Putain, j'ai plus de stas par contre. On va s'enfuir. Hein. Ah putain! Ferme-toi ce bruit de porte! Bon, ça devrait être bon là, je pense pas qu'il me pop dans le dos, c'est enfoiré. Oh ouais, la musique s'excite là, j'aime pas! C'est quoi ça? Ah oui. Par là, y'a quoi? Oh oui! Le mec il est heureux parce qu'il a trouvé un javelot. Je suis à combien de missions là? 15. Ah, c'est pas beaucoup! 15 et 120 et 100. Bon, toi. Isaac, c'est moi. Viens là. J'aurais aimé te parler. Là. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. Oh, c'est. Vous avez vu ça? J'aurais aimé parler à quelqu'un. C'est le message dans Dead Space 1. Sauf que Nicole a changé de gueule, elle est devenue un peu plus jolie. Bizarre. Elle a un peu plus de polygone dans la gueule, dans la face. Par contre, ça ne tient qu'à une toute petite chose. Oh là là. Elle va nouveau suicider. Je voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. C'est triste, hein. Je t'aimais. Ah là là, le pauvre Isaac, quand même. Oh! Toi! Bim! Vite la stase! Need. Oh non, faut que je passe par en haut. Ah oui, c'est fermé, bien sûr, par là. On va devoir faire le détour. Super génial. Et. Chemical Research Lab. Quoi? Quoi? Qui est là? Putain, y'a personne comme par hasard, hein. À part une échelle qui fait chier quand on veut passer. Toi, viens avec moi. Je te pose là. Allez! 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 Voilà. Toi, tu te balades avec moi. Viens là, viens là. Si pop, 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 tu vas te prendre un balai dans la face. Voilà. Bon. On va faire gaffe maintenant, ça va popper bientôt là. Viens là, viens. Viens là, saleté. Putain, j'espère qu'il pop pas par ici. Où tu es? Je t'entends. Ah, fais chier, il est où? Il s'est fait déchirer par ça? Ah non, il est là. Où est le reste? Faut vraiment comme ça avancer à tâtons. Ah ok, d'accord, toi t'es mort, génial. Ça c'est cool. Toi. Putain. Non. Vite. Vite, vite, vite.
Qui d'autre? Et encore? C'est bon? Tiens, prends-toi ça dans ta gueule, toi. Allez. Non! Putain, culé. Il y en a encore un. Ah oh, putain. Recharge. Putain, il y en a un autre. Pète. Oh putain. Faut que je fasse un peu plus gaffe là, ça devient hard. Je sais pas qui peut pas autant. Oh là 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 là. Au moins ça passe. Oh oui. Allez, oh oui. Ça. Pour que je peux les prendre. Voilà. J'en ai plus que 7. Faut à tout prix que j'en boy 8. Y'a quoi là-haut? Oh cool. Là j'imagine que ça arrête de popper là. Y'a un plan en plus. Attends, vas-y, je prends le plan. J'ai combien de points de force? 3. Yes. Bon, je pense qu'on va s'améliorer la vie. Ah, je peux pas, lol. Bon, ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave, hein. Je sais pas quand seront les prochains points de force, j'espère dans pas trop longtemps. Ok, Lasta, c'est bon, je suis full. Au niveau de tout ce qui est là, j'en ai 5. J'ai plein de missions de cutter plasma, ça devrait bien se passer. Ah, trop bien. Alors il me semble, hein, il me semble bien que ici, il n'y avait pas de porte, elle était ouverte. Ah oui, c'est là. Et c'est là que le mec se tapait la tête contre la vitre et il s'est tué. C'est bien ça, ouais, dans Dead Space 1. C'est exactement ici. Ah, c'est ici dans l'épisode 5, j'étais en mode flip parce qu'il y avait le nécromorphe invincible qui me suivait au-dessus dans les conduits, là. Et c'est ici qu'il y avait le mur que l'on a détruit grâce à la thermite. De la thune, là y a rien. Bon, on avance, hein, ça. L'Ishimura est quasiment fini là. Enfin, quasiment fini. C'est quoi ça? À travers la vitre, on aurait dit un. Comment ça s'appelle de nouveau là, les circuits à vendre? Je sais pas, c'est pas grave. Les semi-conducteurs, voilà. Entrée zone sans gravité. Donc la zone sans gravité, on va pas s'embêter, on va la passer en mode F1, mode Formule 1, en mode rallye, en mode rapidité pour pas crever parce qu'il y a au moins 5 ou 6 ennemis bébés qui ont des tentacules là et si on s'arrête et qu'on commence à les bastonner sans dans un environnement à 360 degrés, ça devient impossible, on se fait trop vite tuer. Alors moi, je m'enfuis. Je... Voilà, vite. Ouvre-toi. Et on s'enfuit. Ouf, vous en rappelez de lui? Eh bien sûr qu'on s'en rappelle de lui. Oh, le vieux bug tout moche. Oh, les éclats de vie sont restés en apesanteur comme ça. Dead Space, le jeu de merde. Regardez ça. Regardez les enculés, stock déconnecté. Putain d'enculé. Putain de gros enculés. Comme ça on peut pas buy de trucs. Et ça. Ok. Ils sont réglés, c'est réglé, ils sont tous morts. Toi, je te stase et tu crèves. Maintenant. Toi, je t'ai vu. Viens.
Non! Non! Quel con! Je te stase, connard! Ah, putain, ils sont noirs, c'est pour ça! Putain de gros con! Oh putain, j'ai presque plus de life! Bon, c'est la dernière phase un peu chaude là! Vite, vite, vite! Là, je suis quasiment à l'abri! J'en ai combien encore? 4. Ok, toi viens. Ok. Non. Oui. Ok, toi. Bim. Et bim. Ok. Qui d'autre? Personne. Oh, un plan. Mais j'ai pas de point de force. C'est super. Ça sert à rien. Pourax. Bon. Ok. Ah, oh là là, allez. Petits enfants. Didier, bonjour à Papounet. Ouh, j'ai plus de stase. Voilà. Je crois que tomber en rate de stase ici, c'est l'une des pires choses qui puisse arriver. En plus, dans Dead Space 2, on peut pas changer d'épaule. Là, je serais bien passé sur l'épaule gauche pour avoir un meilleur angle de tir, un meilleur angle de vue. Vite, stase, putain! Putain, mais stase! La life! J'ai plus de life. Et j'ai plus de munitions. Ah bah si, j'en ai quand même encore. Juste par où ça appuie sur le bouton. Ok. Grand dick. Ah, quelle idée aussi de m'attaquer à deux. Oh là 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 là. Dieu. Oh, que ça devient hard. Que ça devient hard. Qu'est-ce que j'ai à choper ici? Rien. Il y en a une ouverte là. Mais si elle est ouverte celle-là. Oh, elle est pétée, il n'y a pas de lumière. Bon, je reste mes gardes, hein. Je sais pas si ça finit de popper là. Oh oui, yes. Ça, j'aime apercevoir ce genre de choses. Non. Elles sont combien? 3. Ok, on peut y aller. Voilà. Tant qu'elles sont moins d'une dizaine, j'ai envie de vous dire, ça passe. Tant qu'on a suffisamment de vie également, hein. Sinon c'est con. Ouais, sinon c'est bien bien con. Bon. Ok. Ellie, bientôt arrivé au poste du capitaine. Ok. La centrifugeuse tourne à pleine puissance vu d'ici. Bien. On croise les doigts, ça va pas être facile. Chaque fois je me fais avoir. Je le suis. On y va quand tu veux. Par contre, pour ceux qui se rappellent Dead Space 1, c'est un peu débile parce que par cette nacelle, on éjecte un nécromorphe. Et il y en a nouveau une en fait. Voilà. Et ça c'est dommage. Parce que je pense pas qu'ils en aient remis une dans un dans une épave et tout. Y a rien d'autre ici, y a pas de life, y a pas de point de force, y a pas de choses intéressantes. Y a juste ça, rayon tracteur. Ok, on les active. Ah, je suis tellement crispé que j'en ai mal au cou, c'est horrible. Oh mon dieu. Oh, que j'ai mal au cou. Oh, heureusement que j'arrive bientôt à l'heure de vidéo, hein. Je vais pouvoir faire une petite pause. Ah putain,
Oh, j'ai mal. Je crois que je comprends ce que ressentait Day 9 en jouant à Amnesia. Et encore, c'est pas la même peur. Amnesia, c'est une peur viscérale, la peur la plus primaire. Tandis que là, Dead Space 2, pour moi, c'est juste la peur de mourir et de recommencer. C'est plus... c'est ça. Alors, la peur de devoir tout refaire et de se faire chier à refaire tout. Alors là, le rayon tracteur d'une de Ishimura bouge toute la station pour essayer de... comment dire, d'aligner les deux parties pour que Ellie puisse repasser. Regardez. On voit pas très bien. Mais on va dire qu'il y arrive. Comme avant, ça a été coupé. Maintenant... oh, ça s'est ouvert. Et là... hé hé, Nicole. Pas qui tu es, salope. Initialisation, éjection. Tu ne sentiras rien. Putain, elle se fait attaquer par Strauss, quoi. Sale connard. T'as un danger imminent. Et là, on peut marquer. Il y a marqué impact détecté, défaillance du pilotage. Et on s'écrase sur Titan. Ouais, ouais, boum, ouais, voilà. Et Isaac est décédé, et c'est comme ça que se termine Dead Space 2. Isaac, c'était vrai, Isaac. Ishimura est extraordinaire. J'ai de la chance de servir à bord. T'as les flashbacks qu'il a, lui, quand il dort. Enfin, des flashbacks. Si, c'est un flashback, c'est ce qu'elle lui a dit dans l'une de leurs dernières conversations intercom qu'ils ont pu avoir avant que Ishimura rentre dans un espace qui n'est pas desservi par les ondes radio de l'espace de cette époque. Qu'ils perdent tout contact et que les Ishimura sombrent dans la folie. Vas-y, Yuli. Quand l'aiguille prend soin d'un œil. Et la splutch, il lui enfonce dans l'œil. Oh, la pauvre Ellie, non. Fuck it. Ah non, Ellie. Hey, salut toi. Hey, salut toi. On va l'écouter, tiens. Transmission rig numéro 438-642. Ce sont les derniers mots. Ils sont trop nombreux. Je n'ai rien pu faire. Et maintenant, le réacteur est en surchauffe. Toute la méduse va sauter si je ne fais rien. Oh putain, j'y crois, t'entendra un bruit. Bam. Alors, qu'est-ce qu'on peut choper là? Il y a bien des trucs cachés là sur... Il y a rien de planqué là sur les genres de pylônes là-bas au fond, c'est quoi là? C'est rien. Et là-haut, il y a quoi? Il y a rien là-haut, il y a rien là. Il y a un mec qui vole dehors là. Ok, il y a rien à piquer. Toi, donne-moi ça. J'en ai 4. J'en ai 4. LOL. Je vais me soigner, attendez, qu'est-ce... oh là 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 là. Putain. Oh, putain, je suis dans la merde. J'ai 0 points en plus. Oh là 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 là, mon dieu, j'espère qu'il y a un stock pas loin. J'espère qu'il y a un stock pas loin, j'espère que j'ai de la thune. 26 000, c'est pas mal. Je vais faire attention, juste faire attention. On va rester avec le cœur plasma là, j'ai plein de missions de ça. Voilà. Ici y'a quoi? Ça. Ça. Oh oui, donne-moi ça. Et toi là? Toi tu me donnes rien, parce que t'es un crevard. Parce que t'es un vieux cadavre de merde. Ok, go. Bon, bon, bon. Toi viens là.
Viens, viens. Stas, reload. Bon. Où sont les autres? Prendre Stas. Et on run, on run. Regardez sur les côtés, on les a vus partir. Ouf. Alors lequel attaque? Toi. Bim. Vite, 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 Stas. Allez. Oh oui. Il y en a encore un là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donne-moi ça, toi. Ah, comme je t'ai honnête, toi, là. Ah ouais, les babies, hein. S'ils tuent les ennemis comme ça en un coup, imaginez ce que ça me fait à moi. Ah ouais, ça m'éclate, mais d'une surforce. J'aurais éventuellement pu prendre ça, mais ça aurait été un peu dangereux parce que ça les arrête pas dans leur course. Et surtout, ça les one-shot pas, hein. Donc vaut mieux la jouer safe. Autant je peux me la jouer fanfreluche lol dans les premiers niveaux là où les ennemis c'était pas très puissant. Autant maintenant c'est complètement hors de propos, hein. Bon alors. C'est quoi ça? Je te vois, Strauss. C'est quoi ça? Rien. La thune. Oh oui. Oh oui. Qui de son moyen. Y'a rien de caché au-dessus, non? Là, quand on est dans la merde, on cherche la moindre petite salvation. La moindre petite chose qui pourrait nous sauver la vie. Y'a rien. Ok. On va attendre que la stase remonte tout doucement toute seule. En attendant, on pirate. Oh, quel con. Allez, un peu vite. Voilà. Bon. J'ai entendu un bruit qui faisait peur là. Y'a personne là-haut. Personne veut sauter, se faire couper les jambes. Wow. Où tu vas toi, hein, mon petit cochon là? Le point de force. Nickel. Ce sera pour augmenter ma life quand je pourrai. Ah, oh, je pensais à le choper. Fais attention, il y en a peut-être d'autres cachés au plafond. En plus on les voit pas forcément parce qu'ils sont super bien camouflés et souvent ils sont cachés genre derrière des fils, des trucs comme ça. Ça je prends. Ça, 700 je prends. Y'a rien d'autre? Non. Ok, on peut avancer tranquillement. Y'a rien là-haut. Y'a rien là, non c'est bon, tout est ok. Everything's fine. Là c'est correct. Oh je t'ai vu toi. Oh l'enflure. Oh le gros connard. Regardez-le, il est là-haut. Viens là toi. Bam. Foiré va. Il y en a encore, hein, j'entends le son là. Parce qu'il est là. Qu'est-ce que je vais pouvoir tomber dans la gueule à toi? Ça.
Bim. Oh, le point de force. Attention. Il y a pas un deuxième. Non, genre on croit que c'est bon, on y va et bim, on crève. C'est bon, c'est cool. C'est quoi ça? Rien du tout. D'accord, ok. On continue les petits loups. Oh non, je suis sur le creep. Ah non, attendez, on va faire plus simple. On va s'approcher de lui. Il lance son truc. On le récupère et... Tiens! Ça marche pas. Super. J'ai pas réussi à le team kill. Ah oui, le stock. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Y'a rien qui traîne, ok. Y'a pas d'ennemis bizarres dans les parages, non, c'est bon, je peux acheter. Oh oui, j'achète. Oh que je vais acheter. Comme un gros porc. Alors, j'ai rien à vendre. Putain, je suis dans la merde. J'ai acheté bah, la race de munitions déjà. Non, surtout de celle-ci en fait. J'en ai acheté, je sais pas. 30 au moins. Ah bah j'en ai... Oh là, d'accord, j'en ai 50. Je vais garder les 50. Je vais acheter un gros kit de soins. Ça me sauvera la vie. Et je vais acheter le reste en petites munitions là, je pense. 25, 25, 22, 10, 10, 10, 10. Ça suffit, je pense. Très correct. Oh, je suis un peu con là par contre. Parce que je pourrais acheter la tenue rétro là. Allez, à 40 000. Ah, quoique j'ai juste le droit à 20 emplacements, mais au niveau des pourcentages d'armure, ça change pas. Et sachant qu'elle est moche, j'ai pas à la prendre. Déjà, elle coûte cher, elle est moche. Et celle-ci, c'était gratuite, elle est tout aussi bien, donc on va la garder. On va continuer un peu encore. On est à combien là? 1h01. Selon ce qu'il y a en face là, on s'arrête ou on continue? Oh mon dieu. Oh mon dieu, regardez-le là-bas. Donc on s'arrête sur ça. Voilà. Parce que là, avant de m'attaquer à cette phase super hard, il me faut une pause. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Hein. J'espère plutôt que cette partie vous a plu, hein, malgré le fait que je n'ai pas été très, très prolixe. Mais il faut savoir que ça fait flipper. Il faut pas que je crève. C'est un try again et pas un. Et c'est pas un lol. On n'est pas dans une vidéo lol. C'est une vidéo sérieuse, on fait gaffe. Et on flippe tous ensemble. Donc voilà, à la semaine prochaine pour la suite. Et bye bye tout le monde.